bonjour à tous. Bienvenue dans cet épisode d'Autofocus que je comptais pas tourner. Et je profite que j'ai mon fils qui dort encore pour tourner cette petite séquence. Juste pour vous passer un petit message, mais vous l'avez compris dans le titre. Il y a un certain Balou qui disait « Dans la vie, il en faut peu pour être heureux. » Vous voyez, il ne suffit pas de grand chose. J'ai derrière un Scénic. Un Scénic 4, donc c'est quand même plus compact et plus petit que les précédentes versions. Et on a quand même bivouaqué. Voilà, parce que bon, on n'a pas trouvé vraiment de coin où se poser en tente, sachant qu'hier il y a eu de fortes pluies quand même. Donc le sol était bien trempé, etc. Donc du coup on a préféré se caler dans la voiture. C'était le premier bivouac, premier baptême du feu pour mon fils de 4 ans et demi. Et on a trouvé un spot juste splendide. Juste magnifique. Voilà, ça a été également une première photo de Voie lactée pour mon fils hier. Malgré la demi-lune, parce que la lune est encore bien présente. Gros avantage, c'est qu'elle nous a éclairé la montagne qui est juste derrière là. Encore enneigé. Donc ce petit sommet enneigé bien sympathique. On a dormi avec une cascade, au pied d'une cascade, enfin quasiment au pied. Toujours faire très attention quand même là où on se pose. Et là on a 1, 2, 3, 4 cascades. C'est juste magnifique. On a un spot ouais, de toute beauté. Donc, ouais, voilà, aujourd'hui c'est pas un trek nature. J'ai pas envie de vous donner non plus une leçon de morale, mais ben, il en faut vraiment peu pour être heureux, c'est vrai. J'essaye toujours de vous motiver à sortir avec mes vidéos. Donc voilà, donc prenez votre bagnole, allez explorer le monde. Et le plus important, j'ai envie de dire aujourd'hui, vivez. Allez, ciao tout le monde.